Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 73e épisode de notre Let's Play Satisfactory en coop avec Lodos, Sabdam et XK. Et aujourd'hui, on va débloquer l'overpack. Allez, en route. Mais je pense qu'on peut. Il y en a 108 déjà. Là, on y est presque. Ouais. Ouais, bah, je vais aller rassembler les composants à la base. Ouais. Je vous ramènerai l'aluminium. C'est ça. Parfait. Ah bah le tube est quand même bien pratique. Il faut que tu l'aies assez loin. Et du coup, bah après, moi j'aurais besoin d'un coup de main pour ramener le quartz. Ah, pour le bac. Pour ramener le quartz à mon usine. Laquelle? Et celle qu'on était juste avant là? Ouais. Elle est facile d'accès, l'usine de quartz? Alors le quartz, il faut faire plusieurs ascenseurs pour monter en haut en fait, parce que on est très haut ici. Ou pour descendre en bas, du bas, tu crois que c'est jouable? Ben, en fait, il y a pile poil un trou dans la montagne justement. Oui, c'est au niveau des trous. C'est faisable. Non, en fait, c'est en bas qu'il me le faut en fait. On n'est pas plus haut que la mine. Quoi en bas? Ben, mon usine, elle est plus basse en fait. Où j'ai besoin du quartz, c'est plus bas. Ben, non, c'est plus court. Oh, alors c'est où ton usine? C'est là où il y a le charbon pur, non? Non, ton usine, elle est plus haute que l'usine de quartz. Ça, c'est sûr. Ton usine est plus haute que l'usine de quartz. Ok, je savais pas. Ah, l'usine de quartz, elle est vraiment dans un creux. Elle est vraiment, vraiment tout en bas, le plus bas possible, au niveau de la mer. Ok. Il y a une balise à ton usine ou tu es à ton usine Qui est à ton usine? Non, là j'y suis pas, mais il y a une balise. Tu y es, non? C'est quoi ta balise qui est à ton usine? Ouais, c'est ce que je regardais. Je crois que c'est le fer impur, la balise. Le fer impur. Elle est au sud de Sabdam. Okay, d'accord. Fer impur et le quartz, il est là. Le plus court, je pense que ça va être de traverser par le dessus de la montagne. C'est pas les quatre fers impurs, c'est le fer impur tout seul. Ah, le fer impur tout seul qui est légèrement au sud. Mais tu vois le... Par de la passerelle. Ok. En fait, le quartz, c'est trompeur, mais il n'est pas sur le plateau sur lequel tu vois le truc. Il est dans une grotte qui est au niveau le plus bas, donc le plus sombre de la carte. Donc t'as un gros dénivelé et bien plus bas. Ça doit être vers là où il est, Sabdam. Un petit peu en dessous, t'as deux charbons normaux. Je pense que c'est ça. Ça doit être à ce niveau-là, près de la flotte. Il y a quoi? Je pense, ouais. Donc il faudrait monter plusieurs fois. Oh là là, la distance, elle est énorme pour aller jusqu'à ta base. Ah mais autant monter directement depuis le quartz, de passer par en haut et puis avoir descendre derrière. De faire une passerelle comme t'as fait là pour le cuivre, faire une passerelle toute droite et qui redescend jusqu'à chez toi après. Hein. Sinon tu tires une ligne de chemin de fer. Ouais. Depuis le quartz. Foxy, c'est vrai que le bot ça fait un moment qu'il a rien dit. Il est inactivé ton bot, et donc? Ah il est peut-être fatigué, ouais. C'est possible. Après, j'ai bloqué la phrase Buy Followers. Donc, s'il dit ça, non, il devrait se ça. Faire bloquer. Mais. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure à ce que. Peut-être que j'ai un. Pour que le bot fonctionne, il faut que mes deux comptes soient connectés et. Non, mon bot est pas connecté. C'est pour ça. Et il faut que je régénère un token d'authentification. Je le ferai. Un autre moment. C'est pour ça que le bot ne dit rien. Et que ça me fait pas tidum dans l'oreille aussi. Et du coup, je. Ah bah mince. Je vois moins les messages. Alors, du coup. Les moteurs, tu les avais récupérés déjà? Non, je suis au cadre modulaire lourd là. Et un moteur et ordi. Qui s'occupe des moteurs? Ah, je peux y aller après si vous voulez. Peu importe. Ça y est, t'as récupéré les trucs d'alu? Il en est à 186, 188, 189. Donc c'est pour ça que je posais la question. Je me dirige vers la base et j'irai chercher ce qui manque à XK. Bah, là, j'ai il déjà 2-3 bricoles sur moi. Les moteurs et les ordis. Puisque XK est un moteur.
Je pense pas que je vais réussir à prendre autre chose que les cadres modulaires lourds parce que je suis déjà plein. Ok, ok. J'ai un petit peu de place, je vais pouvoir prendre. Vivement qu'on ait 3 emplacements en plus dans le stock. Hein. Yes. Ouais. Allez, ils sont 98, pleins, remarque, avec l'aluminium et compagnie. Yes. Ouais. Ok, on les a. Oh, c'est pas beaucoup, mais bon. Ça aurait été. Ah ouais, c'est laborieux. Ça aurait été. Ouais. Mais ça vaut la peine. Voilà, on a la bauxite déjà. C'est quand même un gros. Ah. Ah. Ouais. YouTube. Oui, tu. Ah. YouTube. Alors, comment on rentre à la maison? C'est le tube, puis l'usine, puis le tube. Tu suis les tubes. Ouais. Tu suis les tubes, tu traverses les usines tout droit. On dit des usines toutes droites. Tu passes tout droit dans les usines. D'accord. Je peux pas passer de biais dans les usines? Non. Interdit. D'accord. Il faut les ordinateurs aussi? Il faut les prendre sans ordinateur, je ne sais pas. Je suis seulement en train de revenir à la base là. Je vais prendre les ordis, je vais me défaire de. Oh, j'adore les tourbillons là avec les tubes. Ça, c'est Excalibur. Tu connaissais pas encore. Je connaissais pas le retour de manège là. Oh, génial. C'est les oscillations d'Exca parce que ça t'amène aux oscillateurs. Ok. C'est les spaghettis. Oh, finaise. Génial. Alors, hop, par ici on devrait rentrer à la base normalement. Ah ouais, mais c'est du tube, hein, waouh! Ah oui, il y en a un. Il y a beaucoup de haltes, hein. Heureusement que ça existe, hein, les tubes. Ah ouais. J'ai sorti un tube pour me faire aspirer directement dans le deuxième. Okay. Alors, moteur, c'est par où les moteurs? Je l'ai renommé, ça s'appelle moteur. Tu l'as renommé? Non. Alors, moteur. Oh, moteur. T'aimais pas, Elru. T'aimais pas ce que j'ai fait. Bah, moteur. Dans une certaine mesure, je trouvais ça peu pratique. Mais j'avouerai, quand je suis arrivé, j'ai vu par ici, par là, de ce côté, de l'autre côté, je me suis dit, ouais. C'est aussi utile que mes panneaux informatifs sur Mimas qui disaient, vous êtes ici. Du coup, t'es parti, yes. Dodos ? Ouais, je suis arrivé à la zone des moteurs, enfin, je crois. J'ai pris les ordinateurs, moi, messieurs. Ok. Quand tu arrives à l'autre zone qui te fait propulser à 15 bornes, faut prendre l'autre tube? Oui, faut prendre l'autre tube. Cette zone. Non, faut prendre l'autre tube. Merci. Biomasse et hub, en route. Et Sabdam, il est où? Sabdam, où es-tu? Je suis là. Ah, ben... C'est où là? Sabdam! C'est par ici! Mais là, au bout de mon doigt, là, tu vois pas? Là, tu vois pas? Derrière mon écran d'ordinateur! Là, regarde, là, tu vois pas, je te montre. Je vois pas la direction que tu montres. Il est près du quartz, Sabdam. Ouais. Tu fais au quartz? Il déplace le hub. Non! Alors, moteur, c'est ici, ça sort d'ici, ça sort de là. Est-ce qu'il y a un conteneur qui stocke les moteurs quelque part? Ah oui, juste à côté de là où tu arrives en fait. Le gros conteneur qui est juste à côté de toi. J'ai vu. Hop là. Alors, moteur. Bonjour. Il en faut donc 200. 100, 150, 200. Tu peux peut-être t'en prendre un peu plus, Ouais, j'en ai pris 100 plus. 300 ou 400, effectivement. Non, prends-en même plus parce que je crois qu'il y en avait un. Il y avait un. L'autre. Tu vas voir, il va nous falloir des moteurs pour l'Overcraft, c'est sûr. Ouais. Et puis il va falloir des trucs. Tac, à trier, tac. Même 100, le 200, 300, le jalon 400, suivant 500, qu'on va 600. Choisir. J'en ai pris. Bon, ça suffit 600. Oh, ça devrait être pas mal. Allez. Ça devrait être pas mal, j'en prends 100 de plus. Coucou, Elru. Coucou. Mais je reviens. Très bien, toi aussi. Parce que. Par exemple. Si on faisait l'ingénierie aéronautique derrière, ça demande 300 moteurs. Ouais, j'ai bien fait d'en prendre 700 en tout. Et sans tout le début. T'as même pas battu mon score, Elru. Oh non, mais j'ai même pas joué en fait. Comme t'étais arrivé direct. Allez, mais il faut faire quoi en fait?
Bah, c'est Penover. Dans le jeu. Oui. Il faut remplir le plateau avec le moins de pièces possible. Il faut mettre le plus de pièces possible et laisser le moins de vide possible. Ouais, c'est ça. Faut remplir plateau, quoi. En moins de temps possible. Et t'as plein de plateaux à remplir à la suite. Et t'as un temps qui défile. Alors, je suis arrivé là. Je m'y suis mal pris. Tu es où là ? Si tu peux pas compléter, tu fais envoyer. Comme ça, t'as un nouveau plateau vide. C'est ce que j'ai vu. Je suis où là ? Où tu pour repartir ? Ah zut ! Le tank a commencé à biper et j'ai fait envoyer bêtement alors que j'aurais pu faire plus de trucs. C'est moi qui ai tous les high scores. Ah bah bravo. Voilà, moi j'ai 530. C'est nul, hein. Un bon début. Oh, le dernier niveau, il est compliqué. T'as le logo Fixit à remplir. Le niveau 6 ? Ouais. C'est le logo Fixit, c'est pas une coche ? Ouais, bah c'est la coche. D'accord. Ah bon, ok. C'est impossible. Mmh. Voilà. Hop. Ça ne rentrera jamais, ça. Pourquoi tu me donnes une pièce qui ne peut physiquement pas rentrer ? Ça non plus. Ça, oui. Ça, je ne pourrais pas. Ça. Non. 855. Ah, bravo. Eh, si je te tire dessus pendant que tu joues, est-ce que tu perds ? Ah non, eh. Le mec mauvais joueur, t'es le mauvais perdant. Je crie au le mauvais gagnant en plus, parce que... Ah, puis t'as appuyé sur le bouton. Ah yes, ah. Elru, tu appuies. Ouais, j'arrive. J'appuie sur le bouton. Et... Look. Et ça sort par où? Ah bah oui, quand même, y a pas de toit. The hoverpack enables aerial overview of all powered factories as well as easy transport across multi-level buildings. Je fais des feux d'artifice. Connecting to the power grid. Tu sais que tu fais des feux d'artifice? C'est moi. Ah. Je jette des tiges. Ah, j'en ai plus. Alors, comment ça s'appelle, ce qu'on vient de débloquer ? Le Hovercraft. Ouais. Overpack. À mon avis... Alors, Foxy nous dit qu'on peut pas le craft, parce que... il va normalement avoir une ressource que vous pouvez pas craft. Mais si, on peut là, tout, peut-être, on qu'on peut déjà, peut-être qu'on en a déjà en stock. Parfois, il y a des trucs qu'on... Ah non, non, on peut en faire. Overcraft. On peut en faire. Attends, il y a le moteur, ah non, y a le cadre d'aluminium, le tôle d'alu. Puis... Cadre modulaire lourd. Ouais, on peut les faire. On vient de les inventer. Donc. Est-ce que tu as des ordinateurs en RAM XK ou pas ? Ouais, j'en ai. Par contre, j'ai plus de cadre modulaire lourd. Et j'ai pas non plus de tôle d'aluminium. Bah, il faut aller les rechercher. J'en ai 50 cadres modulaires lourds sur moi. Ah bah ouais. Mais il faudra juste de l'aluminium. Bah, faut qu'on aille on retourne à l'aluminium. Ouais. On retourne à l'alu, c'est parti. J'ai les moteurs et les ordinateurs. Pour en faire 4.
Ah mais ça, ouais. Ça demande des batteries par contre après, non? C'est bah, moi j'ai pas de batterie par contre. Ça demande non, quoi, je pense pas que... Non, non, après ça s'alimente dès que tu es près d'un fil électrique, normalement. Ah, auto-alimentation, quoi. Ouais. Tant que tu es près d'un fil électrique, tu peux l'utiliser. Sinon, okay. Après, tu tombes. Et ben, on se retrouve au... je vais finir cette phrase. Non, on se retrouve à mi-chemin, je sais pas où. On se retrouve à la zone d'aluminium. Bah, moi, je vais à la zone d'aluminium, mais récupérer les trucs qui manquent. Ah bah non, vous avez tout. Bah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Enfin, j'ai les moteurs des ordinateurs, l'ODOS a les cadres lourds. Donc, on se donne rendez-vous à l'aluminium. Dès que je finis de rollbacker et que je peux rentrer dans le tuyau. Ouais, ça fait trop fois d'affilée que je rollback le tuyau, ça fait trop fois que je reprends, quoi. Sabdam, tu nous rejoins à la lue. Tu sors du tuyau, tu te... Ouais, je suis même devant vous. Ah bah, si t'es à côté de la lue, tu peux nous revenir vers nous avec l'aide de la lue, sinon. Ah ouais, ça arrivera plus vite, je pense. Il en faut 160, Sabdam. Ça devrait être par l'argent. Avec les 50 cadres lourds, il y en a assez? Ouais, ouais, il en faut 16 des cadres lourds. Ah, d'accord. Donc on se donne rendez-vous à la base, du coup? Bah, 16. Peut-être à ta nouvelle usine, il y a une belle vue. Et c'est plus près, okay, pour Sabdam. Ouais, donc faire ça, ouais. Et t'as un atelier d'équipement à ta nouvelle usine. On en fera un. Au dernier étage, au balcon. Ok. On en fera un. Alors, pour retourner à ton usine, il faut prendre... Cadre modulaire. Modulaire. Ouais. Et après, tu suis les tubes. Tu prends les tubes qui montent, les tubes de côté, les tubes de face, tubes à droite, les tubes à gauche, les tubes de l'été. Après, c'est tube. Par contre, on s'est pas mis de balise là-bas. Ce serait pas mal qu'on s'en mette une pour qu'on sache où c'est. De où ça? Ah, l'aluminium, ouais, c'est vrai. Allez! Oh, il va y avoir un rollback, je le sens. Ah, voilà. Ah, je l'ai pas eu. Je me suis fait rollbacker. Rollbacker. Un petit tour dans les spaghettis. Ouais. Punaise. Sabdam, t'es déjà arrivé sur place, là? Ouais, je suis à l'usine intermédiaire, là-haut. Ah, c'est pas une usine. Donc. Ah, j'arrive au spaghetti. Je suis à l'usine d'Exca. Yeah. Ah, je prends le tube histoire de. Ouais. Comme ça, je fais le chemin en retour tube. Avec toi. Bah non, on est avec vous. Tu vas j'arrive, où? J'arrive. Non, mais je tu vas où? Je suis Sabdam. Comme ça, je fais le chemin de retour juste avant lui. Et voilà, je le laisse pas tout seul. Bah oui, ouais. Mais je vais faire un établi au balcon du coup du dernier étage. Voilà. Non, puis je pars surtout surveiller des fois qu'il soit en partie refaire toute l'usine. Enfin déjà. Non, ça j'attends de. T'attends qu'on ait le dos tourné. Donc t'es où, Exca? Je crois que j'ai dernier étage. Loin. Ouais, j'ai été trop loin. De mon usine tout au fond. J'ai pris un tube de trop. C'était quoi ça? Échange de jalons achevés. Ah oui, d'accord. C'est l'autre qui est revenu. Je vais mettre le truc juste avant. Tiens, mais je vais poser une balise comme ça. Mais on monte, hein. Waouh, waouh. Ouh, pardon. Attention, Sabdam, ça va? Ouais, j'ai eu mal à la tête. Bah oui, parce que là, j'étais un peu cogné. Comment ça se place une balise? Il faut juste la placer dans la main. Tu la poses, ouais, et puis après, tu la renommes. Prends le grand. Je suis tout en haut, là. Ouais, je suis tout en haut. Où est-ce que vous êtes? Les fameuses? Ah, je te vois là-bas. Côté est. Je te vois ta lumière. Bah, il ne manque plus que Sabdam et Elru. J'ai mis un petit atelier ici, juste en face du balcon. Yeah. Ah.
Ah, on voit le... le truc qui fait la montée. Ah la vache. Ah ouais. Faudrait que je mette des supports en dessous pour que ça fasse un peu plus réaliste. Bah sur les deux en fait. Ouais. Gauche aussi. Ouais. 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 Voilà. Ah coucou Saddam. Déjà ? Oh bah. Bah j'ai volé hein. J'arrive. Pas fait les teams. Je suis venu en volant. Hein. Alors, dans 7 Days c'est Monsieur 762 et ici c'est Monsieur Carburant. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, je t'avoue que le carburant sur Satisfactory c'est moins embêtant que 762 sur 7 Days. C'est vrai. C'est jamais embêtant. Alors, ceci dit, les façonneuses. Maintenant, c'est plutôt le les balles de pompe qui commencent à poser problème de disponibilité. Avec les mais là, avec avec ce que j'ai farmé, on devrait déjà en avoir un petit peu, mais c'est le papier qui va bientôt nous manquer pour les cartouches. Il va falloir qu'on trouve une usine de papier pour qu'on aille farmer ça. Et je suis là. Parlez de quel jeu? De Seven Day Today. D'accord, parce que les cartouches de fusil, nous en faudrait aussi. Petite fabrique de cartouches de fusil. D'ailleurs, il faudrait un petit fusil, tiens, ce serait pas mal. Ouais, pareil, il faudrait bien. Et le but, tout en haut. Tout en haut. Souvent, je m'amuse. Je tout en haute. À explorer quand vous êtes pas là. Ouais, on est là. Par là. Je vous vois. Par contre, tes vitres, ils sont crado, hein. Tu pourrais les laver quand même. Il y a des insectes qui viennent s'écraser dessus. Ah, tu veux faire les Hovercraft, Elru? Ah bah vas-y, t'as mis ça dans le coffre. Il y a des trucs dans le coffre. Hop, je te mets aussi les cadres modulaires. Tu me dis, mais à tout le dessin, je vais plus en avoir besoin. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut, Elru, normalement. Ouais, mais il va falloir que t'aies une source d'électricité pas loin, autant c'est... Il y en a plein ici. Ah oui, il faut toujours des... Ouais, faut passer l'électricité. Quand tu voyages, quand tu fais quelque chose, faut que tu te mettes ton truc d'électricité à côté de toi. Oui. Ça, c'est pas un problème. Bon, après, je pense qu'il doit avoir quand même une petite autonomie, mais... Il déplace en tirant des câbles électriques. Quand tu construis, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir construire en volant. Et 2, 3 de fait. Et attention, les yeux. Sous vos yeux, ébahis. Ébahis. Vous avez vos Hovercraft. Moi ici. Merci. Alors, ça se met sur le corps, c'est ça? Ah, c'est terrible. Je vole. Là, il a la petite télécommande et tout, génial. Faut pas s'éloigner de trop. Hein. Ah oui, plane et tout. Bah ça, par contre, avec ça, Sabdam, il va être heureux. Hein. Voilà. Ok, génial. Ah mais et c'est quoi l'autonomie? J'ai l'impression que si tu t'éloignes, il te met une petite alerte si t'es trop loin. Bah, t'as le réseau de l'électricité qui est indiqué. Si t'as du réseau, si t'as plus de réseau, bah t'es mort. Ah ouais. Ah oui, je suis descendu quasiment tombé quoi. Ah purée. D'accord. Est-ce que je vais survivre? Je fais les vitres. Ah oui, tu peux couper des arbres en volant. Oui, tu peux faire. Ah mais t'as aucune. Finalement, t'as aucune autonomie alors. Hein. Dès que tu sors du réseau. Ouais. Même pas t'en éloigner. Ouais. Mais c'est bien pratique. Disons que. Trop... Ça remplace pas les décathlons, quoi. Ah, tu peux monter assez haut quand même avec. Hein. Ah ouais. Non. Ah, tu peux pas monter plus haut que. Attends, si tu veux, je coupe. Je veux pas... non, descends. Elru va couper les fils. Et puis imagine, t'as un power outage sur ta. Sur ton usine. On profite pour mourir. Mais enfin. Ah non, tu vas pas mourir au-dessus de ma base, tu vas tout salir. Bah non, t'inquiète pas. En tout cas, je pense qu'on a pas trop mal travaillé pour aujourd'hui.
Yes. On a débloqué la phase, on a terminé la phase 3. On a débloqué un premier jalon sur la phase 4. Sur le. Deux jalons. Non, un jalon. Oui, deux jalons. Deux. On a débloqué le premier et l'avant-dernier. Ah oui, on a débloqué la bauxite et ensuite avec la bauxite, on a débloqué le. On a quand même fait deux jalons, donc c'est bien. On peut être satisfait. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je commence à bailler. Ouais, on n'est pas passé à l'update 6 parce qu'en fait, elle est expérimentale encore. C'est ce que les développeurs expliquaient avec leur vidéo qu'ils ont publiée hier ou aujourd'hui, je crois. Elle est expérimentale et du coup, il se peut qu'il y ait encore des bugs dessus. Ah! Et comme on est sur un serveur... Ah, je vais mourir, on fait attention. Tu meurs pas. Alors, par contre, j'ai un bug, là, je peux pas descendre avec l'Overcraft. Si, c'est faut toucher. C'est la touche C. Bah, je peux pas, ça descend pas. Comment ça? Ça descend pas, j'appuie, ça descend pas. Je suis en l'air, là, comme un con, au-dessus de toi, Elru. Oui, mais il faut que tu avances en même temps, faut que tu t'arrêtes. Non, mais je suis à l'arrêt. J'appuie sur CX, passe rien du tout. T'as qu'à l'enlever, remettre tes décathlons à la place de l'Overcraft, tu vas descendre. Ah, je suis entré dans le menu, c'est bon. Ça s'est débloqué. Par contre, même si t'as pas de jus, ah, c'est génial. Tu spams la touche espace, tu descends en freinant. Ah ouais. Tu vas t'écraser, ouais. Même si t'as pas de jus. Bah, c'est bien ça. Ouais. Au moins. Tu peux pas t'écraser, ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. Cool. Tu restes appuyé sur l'espace, tu tombes au ralenti. Bon, bah c'est Sabdam qui va pouvoir construire en arrêtant de décéder tout le temps. C'est surtout ça qui va être pratique. Bon, en tout cas, merci à vous trois, messieurs. Avec plaisir. Lodos et XK, je vous dis à demain pour la suite de Space Engineer. Donc demain soir, ça sera Space Engineer. Ensuite, lundi soir, ça sera sûrement Station Years. Mardi, peut-être bien Raveners, on verra. La semaine reprend. Et puis, en tout cas, merci à vous tous qui êtes passés ce soir. Merci encore une fois à vous trois, messieurs. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.